Eh bien salut tout le monde, et c'est Monsieur Toon de Toon Studio Prod, content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Toon Studio Prod. Il y a très peu de temps, je vous ai posté une vidéo concernant l'année 2016 à décembre Paris, et bien je me suis demandé, pourquoi pas vous faire une petite vidéo très sympathique qui va résumer ce qui va se passer justement en 2007, et surtout, s'appuyer un peu plus sur le 25e anniversaire. Parce que oui, il y a quelques informations qui ont fuité justement au sujet du 25e anniversaire, ça sera sûrement les dernières qu'on va recevoir de la part de Disneyland Paris et qui sont officielles. Mais avant de commencer, moi je vous propose de regarder la dernière bande-annonce qui a été postée par Disneyland Paris sur le 25e anniversaire. Allez, c'est parti! Pour notre 25e anniversaire, nous avons illuminé la nouvelle parade, rempli le ciel de nouvelles étoiles venues de galaxies très très lointaines. Mais ce qui brillera le plus sera l'étincelle que vous verrez dans leurs yeux. Le 25e anniversaire de Disneyland Paris, c'est le moment d'avoir des étoiles plein les yeux. Splendide, n'est-ce pas? Non, c'est vraiment très très bien les Toons. Je pense que ça va s'annoncer vraiment étincelant. Comme le veut Disneyland Paris, ça va vraiment s'annoncer très étincelant. Alors, clairement, qu'est-ce qu'on va faire dans cette petite vidéo? Je vais vous résumer les dernières informations concernant le 25e anniversaire, parce qu'il y a eu beaucoup d'informations, comme vous l'avez dit précédemment, qui ont fuité. Et on va un petit peu résumer ça ensemble, et j'aimerais aussi avoir en retour dans les commentaires vos avis sur la chose, parce que il y a beaucoup d'informations qui sont arrivées, et j'aimerais aussi du coup avoir votre point de vue sur la chose. Est-ce que ça vous plaît, ou est-ce que vous auriez aimé quelque chose d'autre? Donc on va en discuter ensemble. Donc premièrement, pour ce 25e anniversaire, comme vous le savez, tous les 5 ans on a droit à une nouvelle parade. C'est le cas encore cette fois-ci avec la Disney Stars On Parade qui va donc arriver pour ce 25e anniversaire. Alors la particularité de cette parade-là, c'est déjà qu'apparemment elle va proposer une musique un peu spéciale que Disneyland Paris n'aura jamais eu l'occasion vraiment de... C'est pas un style en tout cas qu'on va retrouver très souvent sur les autres anciennes parades. Ça va être vraiment un style très différent des autres parades qui va plus se rapprocher du coup des musiques de parade américaines. Alors pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop dans l'univers Disney, je vous mettrai quelques listes de parades dans la description de la vidéo. Vous pourrez écouter un petit peu le style des musiques américaines dans les parades des parcs Disney. Vous allez voir, c'est un petit peu plus différent des nôtres. Les nôtres, comment on peut dire ça? En fait, je ne saurais vraiment pas vous décrire comment on peut différencier un petit peu le style de musique au niveau des parades américaines à celle des parades à Disneyland Paris, donc européennes. Je sais pas trop. Il y a un style qui est assez différent, parce que nous on mise beaucoup sur les histoires de contes, beaucoup de Belle et la Bête, en ce moment c'est Reine des Neiges aussi, puis surtout les vrais classiques Disney finalement, on mise beaucoup là-dessus. Alors que à Disney World, c'est pas vraiment pareil. Parce qu'on mise beaucoup plus sur les nouveaux Disney, et à la fois sur les anciens, enfin sur les tout premiers quoi, les classiques. Donc ça dépend, il y a un mix un petit peu entre les deux qui se fait ressentir. Mais en tout cas, ce qu'on est sûr, en tout cas avec cette nouvelle parade, c'est que deux chars vont être exportés de la Jubilation Parade qui est de Tokyo Disneyland. Donc je vous mettrai quelques images de toute façon en vidéo, vous allez voir que c'est une parade qui est plutôt jolie en soi. Après, petit souci, c'est que moi j'ai eu quelques fuites qui nous ont dit que normalement on devrait avoir le char de Peter Pan et celui de Lilo et Stitch, normalement. Alors pour celui de Lilo et Stitch, j'en suis pas encore sûr, à 80% peut-être, mais pour celui de Peter Pan, ça serait sûr que ça sera exporté de la Jubilation Parade de Tokyo Disneyland. Alors, ça, à la fois c'est bien et à la fois c'est pas très bien. Parce que le char de la Jubilation de Peter Pan, c'est clairement pas le plus joli. Je la trouve très jolie comme parade, mais je trouve quand même que ça n'a pas été cool de nous exporter ce char-là en question. Parce que dans la Jubilation Parade, il y a des chars qui sont vraiment magnifiques. Je parle surtout, par exemple, celui de Pinocchio qui est sublime. Et là, on est tombé sur quand même le moins spectaculaire, à savoir Peter Pan et Lilo et Stitch. Je ne sais pas si les autres chars vont être aussi peu waouh en termes d'effet ou vont être vraiment complètement différents, sachant que, dernière information, le premier char serait complètement basé sur le style steampunk.
chose qui m'enchante énormément parce que j'adore le style steampunk, ancien monde rétro-futuriste. J'adore ça. C'est un style que j'apprécie énormément. D'où le fait que Discovery Land est clairement mon land préféré. Donc ça va complètement s'inspirer de l'univers de Jules Verne et du land de Discovery Land. Vous allez pouvoir le voir très prochainement. Et j'en attends beaucoup de ce char. J'en attends beaucoup parce que, voilà, comme je vous l'avais dit, j'aime beaucoup cet univers-là. J'aime beaucoup l'univers de Discovery Land. Et je sais pas trop comment ils vont faire ça. Ils vont faire ça en style un peu mécanique, avec en maître d'honneur, on va dire, Tic et Tac, qui seront un peu les mécaniciens du char. Donc il y aura des costumes steampunk et tout, donc ça va être vraiment sublime, je pense. À voir comment ils vont le faire. Rien que de savoir qu'en fait il y a un style steampunk dans la parade, ça prouve à quel point finalement la Disney Stars on Parade, ça va être une parade assez diversifiée, qu'on pourrait rapprocher énormément forcément à Festival of Fantasy en Floride. Là, je pense que cette année, on va découvrir une parade qui sera vraiment très détachée des autres. Pourquoi ? Parce que tout simplement, là, ils l'ont clairement dit que ça va être très proche, voire très inspiré de la Disney Fantasy Parade à Disney World. Moi, j'en suis très content parce que j'adore cette parade. En vidéo, vous allez voir, hein, je vous mettrai de toute façon les liens, vous allez voir que c'est assez époustouflant. C'est une parade qui est très très bien faite, qui est très dans le conte, dans l'univers un peu fantaisiste, un peu drôle et steampunk un peu. Vous allez voir que c'est super bien. Et puis forcément, pourquoi ne pas finir par un joli dragon, hein, voilà. Ils ont... alors je sais pas si ça va être exactement le même char, parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a un char, justement, dans la Disney Festival of Fantasy Parade, où il y a un dragon mécanique qui crache du feu. Ça a été confirmé par Disneyland Paris, on va l'avoir pour cette parade-là. Par contre, est-ce que ça va être exporté de celle de Floride? Ça, je sais absolument pas. Est-ce que ça va être une version qui va être copiée, mais ajustée, voire améliorée? On ne sait pas encore. Mais de ce qu'ils essaient de faire entendre, laisser prétendre, on a l'impression que plutôt que c'est plus une exportation qu'autre chose, que ça serait vraiment le même dragon qu'en Floride, du coup. Voilà pour la parade. En tout cas, rassurez-vous, je pense que ça va être plutôt bien. Maintenant, c'est vraiment la musique que j'attends au détour, parce que, comme ils l'ont dit, il y aura... En fait, la musique sera la même pendant toute la parade. Il n'y aura pas de musique spéciale pour chaque char. Enfin, oui et non. Pourquoi ? Je m'exprime sur la chose. La musique sera la même, mais en fait sera réinterprétée en fonction des chars. C'est-à-dire que elle sera pas, ça sera la même musique de base, mais qui sera modifiée en fonction des chars, avec un style différent. Donc, exemple qui peut très bien marcher, vous avez la parade de Sensational Parade, qui est en Californie. C'est l'exemple pur, vous allez voir, je vous mettrai aussi le lien. Vous allez voir aussi que du coup c'est la même musique pendant tout le long, sauf que en fonction des chars ça change. Au niveau de Star Tour et de Hyperspace Mountain, on va pas trop s'attarder là-dessus. Juste, on va s'attarder sur quelques points comme la photolocation. Il semblerait du coup qu'il y a une photolocation, ce qui peut être sûr c'est que vous allez croiser Chewbacca, je pense. Après, est-ce que vous allez croiser des personnages comme Kylo Ren? Je ne pense pas. Ce qui est sûr c'est que... Moi, j'ai eu des informations concernant le fait que Kylo Ren intégrerait peut-être le pré-show de la Jedi Academy. Avant que ça commence, il ferait une petite apparition. Donc ça, ça peut être super sympa. Même si on ne voit pas beaucoup de fois, ça pourrait faire un petit clin d'œil. Voilà. Après, du coup, vous allez me demander, oui, bon, le Star Trader, qui est donc l'ancienne boutique de Star Tour, où est-ce qu'elle va être? Eh bien, elle va être en fait à la sortie, au niveau des arcades, en fait, de l'attraction. Donc je ne sais pas si les arcades vont être remplacées complètement, si du coup ils ont décidé vraiment d'enlever les arcades pour en faire vraiment une grande boutique. Je sais pas, à voir. Ce qui est sûr c'est que voilà, du coup ça va être placé, la boutique va être placée à la sortie de l'attraction, et du coup la photolocation sera sur la boutique de Star Trader, l'ancienne boutique du coup. Concernant Hyperspace Mountain, ce qu'on sait c'est qu'on aura bel et bien des nouveaux wagons. Ça sera les nouveaux wagons Vekoma, si on peut le dire, pour ceux qui ne connaissent pas la marque de wagon. Ça sera du Vekoma, je crois. Quoique, je suis pas sûr, mais je crois, hein, je suis vraiment pas fort en don de... Je pense que là, il y en a qui vont s'arracher les cheveux
pour les coaster fans. J'en suis vraiment désolé, je suis pas sûr en fait. C'est pour ça que je vais pas m'avancer dessus. Je vais juste dire que voilà, il y a des nouveaux trains. Alors pour la couleur et tout le reste, je peux pas du tout vous dire à quoi ça va ressembler. Je pense que ça va pas du tout être l'émission 2 forcément, ça va être des nouveaux. Donc rappelons-le, Hyperspace Mountain, ça va être une attraction qui va être rethématisée, qui va pas rethématiser l'extérieur de l'attraction, mais qui va rethématiser, excusez-moi, l'intérieur de l'attraction. C'est-à-dire que là, on va avoir un thème Star Wars qui sera proposé, qui sera très similaire aux versions américaines déjà présentes. Ça va être plutôt sympa, je pense qu'il y aura des nouveautés sur notre spectacle. Voilà. Ensuite, quelque chose qui se détache un petit peu du 25e anniversaire, mais concernant la Star Wars Season of the Force, qui va arriver du coup à partir du 9 janvier, il me semble, à Disneyland Paris, vous aurez des scènes de Rogue One qui seront intégrées au spectacle nocturne qui sera projeté sur la Tour de la Terreur. Ça va être très sympathique, je pense. Surtout que Rogue One est très très bien. Je vous le conseille d'aller le voir parce que il y en aura la critique de Lilia Tigresse et de moi-même, ou je ne sais pas si ce sera moi avec Lilia Tigresse, mais en tout cas, il y aura une critique qui sera faite sur Rogue One, bien évidemment. Voilà, petit aparté. Ensuite, sur le théâtre du château, vous aurez deux petits spectacles. Vous aurez le joyeux anniversaire, la célébration du joyeux anniversaire de Mickey, je crois, enfin du 25e anniversaire, qui sera célébré avec notre cher Mickey Mouse. Ça sera sûrement du coup la nouvelle version de Mickey, parce que rappelez-vous, on avait fait un vlog spécial Mickey, mais on n'a pas vu le nouveau Mickey, donc on était un peu déception. on était vachement triste ce jour-là. On avait attendu toute la journée pour voir le nouveau Mickey et finalement on l'a absolument pas vu. Donc finalement on peut se dire qu'on l'a déjà vu avec Mickey le Magicien, mais bon, voilà, type déception quand même. Hein. Après, je sais qu'il y aura l'intense, lente valse des princesses qui sera sur le théâtre du château, qui se rapprochera énormément de ce qu'on peut voir actuellement pendant la période de Noël pour les vœux royaux magiques de Noël. Ça va être exactement inspiré de ce spectacle-là, on va pas se cacher. Ça va pas être quelque chose de nouveau en soi, puisque ça va juste être tous les jours, finalement. Vous pourrez le découvrir ça tous les jours. C'est un spectacle plutôt sympathique, très beau à regarder. Donc, si vous avez rien à faire entre chaque spectacle ou une attraction, entre face-passe ou quoi que ce soit, et ben vous pourrez aller voir ce spectacle-là qui est très sympathique et vous pourrez retrouver du coup toutes les princesses Disney. Sauf que, bien évidemment, excusez-moi, n'attendez pas de voir Moana, alias Vaiana, qui ne sera pas intégrée au spectacle, bien évidemment. Là, il s'agira vraiment de retrouver les princesses classiques des Disney. Donc voilà, il ne faut pas s'attendre à la Reine des Neiges ni de Vaiana. En ce qui concerne Disney Illumination, eh ben écoutez, ça va... Bon là, clairement, là, Disneyland Paris l'a bien marqué noir sur blanc. Ils vont beaucoup s'inspirer du coup de Ignite the Dream, qui est à Shanghai Disneyland actuellement. Finalement, qui Ignite the Dream s'inspire aussi de Disney Dreams, complètement, on a envie de dire. Du coup, je ne sais pas ce qu'il y aura de plus en termes de nouveautés technologiques. Je peux juste vous dire peut-être qu'on aura des nouvelles sortes de pyrotechniques, je pense. Bah après, en termes de projection, je pense pas qu'on aura plus de nouveautés qu'on a actuellement avec Disney Dreams. Juste par contre, on va mettre le point sur le fait qu'il y aura le Roi Lion, je crois, qui sera encore là, la Petite Sirène, Pirates des Caraïbes, Star Wars et la Belle et la Bête, mais la Belle et la Bête, la nouvelle version, c'est-à-dire la version film qui va sortir dans les courants de mars. Voilà, écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour au niveau de Disney Illumination. On n'a pas beaucoup d'informations concernant ce spectacle-là parce que finalement ça va beaucoup se rapprocher de Dreams. Il n'y a pas eu d'image fuitée, c'est-à-dire personne n'a pris des photos de test du spectacle, donc on sait absolument pas qu'est-ce qui va se passer. Ils sont assez discrets, ils arrivent bien à anticiper le truc. Voilà. Et puis après, on peut terminer, bien évidemment, sur la petite nouveauté qui va y avoir, qui va bien finaliser, on va dire, la journée, c'est le goodbye Mickey, qui va vous faire un petit bisou, un petit dernier au revoir avant de quitter le parc. Ça va être une activité plutôt sympathique. En fait, c'était déjà... alors, dans les premiers temps de l'ouverture du parc, ça se faisait tous les soirs. Et là, c'est un peu un retour aux sources, retour à la magie. Disneyland Paris remet cette petite activité qui était très sympathique et qui était un petit peu la dernière touche magicale.
Parce que voilà, on avait Mickey qui disait au revoir à tous les visiteurs du parc et c'était vraiment une activité très. Moi, ça m'avait marqué quand j'étais petit et je suis très content de revoir ça à la fermeture. Ça va vraiment faire en sorte que les visiteurs puissent partir. Après, oui, j'ai entendu dire que dans les commentaires, vous n'étiez pas très content parce que vous allez dire ah ouais, ça a été le bordel déjà pour que Disney Dreams, les visiteurs ils sortent. Mais alors là, ça va être le bordel encore plus que tout le monde va stagner devant la gare. C'est pas faux! C'est pas fou. Alors, pour ceux qui prennent le RER, je vous conseille de partir au moins 5 minutes avant et de bien courir parce que hein, vous allez rater tous vos métros et tous vos trains après. Donc voilà, ça va être assez sympathique. Bah, après, je pense qu'au niveau de la sortie du parc, ça va être un peu plus compliqué maintenant parce que entre le spectacle nocturne et ça. Pas compliqué, ça va être un petit peu compliqué, écoutez. Excusez-moi! Excusez-moi! Non, c'est juste que la caméra s'est coupée en fait, vous inquiétez pas. Me revoici du coup, qu'est-ce que je disais? Bah du coup, en fait, je parlais du coup de la réhabilitation de Pirates des Caraïbes. Parce que l'attraction va subir une grande modification en fait, surtout une grosse réhab, un peu similaire à celle qu'on connaît déjà en Floride, tout simplement parce que, comme vous le savez, peut-être ou pas, l'attraction Pirates des Caraïbes ne s'inspire pas du film. C'est le film qui s'est inspiré de l'attraction. Donc c'est ça qui a donné en fait naissance à Pirates des Caraïbes et non pas l'inverse. Et en fait là c'est un peu comme si c'était l'inverse, c'est-à-dire que c'est là je vais y arriver, c'est le film en fait qui reprend le dessus sur l'attraction et qui réinspire du coup l'attraction parce que là dans cette réhabilitation on va intégrer certaines scènes, voire même des personnages du film de Pirates des Caraïbes. Alors je vous avoue que ça fait quand même un peu longtemps qu'on avait attendu cette nouveauté-là pour intégrer, en l'occurrence, Jack Sparrow. Et il va y avoir d'autres personnages, je sais, hein, mais là pour l'instant je préfère rien vous confirmer parce que je sais juste qu'il va y avoir des scènes du film. Après, de quel film et voire même de quel personnage? Ça, je sais pas. Je ne préfère pas m'avancer. Et puis après, apparemment, il y aurait des modifications sur l'attraction It's a Small World. Mais alors ça, je ne peux pas vous en dire plus aussi parce que je ne sais absolument pas. Bon, en tout cas, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Après, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Je crois qu'on a déjà dit pour la Ferrero de l'Enchantement, oui. Parce que je sais plus, en fait, la caméra s'est coupée, alors je ne sais plus du tout. Ça m'a perturbé. Voilà, moi j'ai envie de juste dire qu'on va passer une très belle année. En tout cas, ce que je voulais juste vous prévenir pour cette année 2017, c'est qu'aussi on va lancer un nouveau meeting. Par contre, j'aimerais avoir vos avis via le petit sondage qui est en haut à droite, je crois. Parce que c'est important. Je ne sais pas si on doit le faire en mars, en avril, en mai, je ne sais pas. Parce que je sais que la plupart des abonnés habite très loin, donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un petit sondage avant de lancer l'événement sur Facebook. Et qu'est-ce que j'ai le nez bouché parce que là je parle comme ça, enfin, c'est horrible, là j'ai vraiment le nez bouché, je crois que je vais faire un petit thé au citron après là, ça va être plutôt pas mal. En tout cas voilà, n'hésitez pas à répondre au petit sondage qui est en haut à droite parce que comme ça je pourrais un petit peu anticiper le fait de préparer le meeting. Et comme ça, on pourra faire un meet-toon tous ensemble où je pourrai enfin rencontrer pas mal d'abonnés en même temps. Bon, écoutez, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu de l'amour, bien évidemment. Et ben, si t'as quelque chose à dire par hasard? C'est clair.